Grand soleil et pluie de stars ce samedi 7 septembre à Paris-Vincennes pour une affiche exceptionnelle, la grande finale de l'UET Master Series. Un casting à faire tourner les têtes. Ready Cash, Commander Crow, Save the Quick, The Best Madrick et le redoutable Team Oko, encouragé par ses fidèles supporters. Yeah. I am in, almost 45 years now. On vient des Pays-Bas pour le voir courir. Ça fait 45 ans que je suis éleveur et jamais je n'ai vu un cheval comme Team Oko. Il va y avoir une nouvelle bataille contre Ready Cash. Que le meilleur gagne. Parmi les cracks scandinaves, Nahar, lauréat de l'Elite Lopette 2013, et l'attraction finlandaise Brad de Velouve pour sa première à Paris-Vincennes. C'est le cheval parfait, jamais disqualifié, et il donne tout en compétition. C'est un champion. Et on est parti pour cette European Trotting Master, c'est la finale. Mais le grand favori de cette finale, c'est bel et bien Ready Cash. Ready Cash en champion qui accélère maintenant, Commander Crow qui tente de repartir. Et puis voilà également. De retour dans son jardin après avoir été battu par Team Oko à Mons, le protégé de Thierry Duval d'Estaing signe une revanche éclatante. Mon cheval était tellement bien aujourd'hui qu'il l'a fait sur sa classe. Il l'a fait tranquille, c'est bien. Il remet les pendules à l'heure, c'est surtout ça qui était important pour le cheval. Parce que j'étais au nez au vent quand même, hein, je n'ai pas eu forcément le bon parcours. Mais bon, mon cheval était bien détendu, et puis quand il est comme ça, il est vraiment bon, quoi. Le chrono parle de lui-même, 1.11.9, Ready Cash égale le record de Royal Dream sur 2700 mètres et devance son grand rival Team Oko. Il devient le premier trotteur français à remporter la finale de l'UET Master Series.